Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Pokémon version Emerald Pâle, pas Emerald, Emerald Pâle, du coup c'est Emerald modifié. Et pourquoi Emerald Pâle? Tout simplement parce que je n'ai jamais fait la génération d'Emerald, et vu que Tao, un pote à moi, m'en parle souvent, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, hein. Et puis aussi grâce à The Gamist et Gryffindor, j'ai repris goût à Pokémon, parce qu'on est en train de jouer en ce moment tous les trois à Pokémon Battle Fire, qui est une ROM hack anglaise avec des fakemon. Donc en gros c'est des Pokémon créés par les gens qui ont créé le jeu. Très très sympa. Bon, par contre il y a quelques bugs, mais sinon il est très très sympa. Du coup là, comme je vous le dis, on se retrouve sur Emerald Pâle. Avant de commencer le let's play, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de rythme précis d'épisode, hein, parce que j'ai des trucs qui sont prévus, mais des fois j'ai des trucs qui sont pas prévus à l'avance et tout, donc je pourrais pas vous tenir à planning. Pourquoi j'ai arrêté pendant un petit moment les vidéos? Tout simplement parce que j'avais plus envie du tout. J'avais la flemme, puis j'avais pas que ça à faire non plus. Mais là, vu que je ne suis plus à l'internat, je vais avoir un peu plus de temps, même si je vais quand même beaucoup me concentrer à mes études. Mais j'aurai un peu plus de temps, donc je vais quand même vous sortir des vidéos de temps en temps. Et je vous promets de finir ce let's play. Du coup, je tiens à vous dire aussi que vous moquez pas, mais... Enfin, vous allez vous foutre de ma gueule parce que je vous connais, mais... Je connais pas ma table de type. Bon, sauf pour... genre plante, eau, feu, bref, dragon, etc. Je joue pas stratégie du tout. Je joue pas en Nuzlocke parce que je connais pas le jeu, et puis j'ai envie quand même de découvrir un petit peu Emerald sans vraiment avoir de... Même s'il paraît que la version Emerald Pâle se joue vachement en Nuzlocke, mais bon, écoutez. On va commencer, trêve de bavarderie. Alors. Ah. Bonjour. Désolé pour l'attente, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seiko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon, un Edupio. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous savons pas tout sur eux. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer leurs mystères, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Bon bah, on va prendre un garçon, à mon avis. Ouais, on va prendre un garçon. Très bien, comment t'appelles-tu? On va s'appeler... Hop, 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 Iluka, hop, hop, hop. Tu t'appelles Dark, ouais. Alors, ah, mais c'est vrai, tu es Dark. Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, là où j'habite, je m'en souviens maintenant. Donc dans celui-là, oui, je ne sais pas préciser, il n'y a pas de fakemon, hein, c'est juste des vrais Pokémon. Ce qu'il y a de changé, c'est les starters, les champions, les Pokémon qu'on trouve. Attendez, j'ai un problème avec mon casque, voilà. Pokémon qu'on trouve, les quelques paysages et tout, quoi, enfin voilà. Bon bref. Alors, tu es sur le point de commencer une aventure unique, fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, tu verras une belle aventure remplie de rêves et d'amitié. Et rejoins-moi plus tard, viens voir Labo. Allez, c'est parti. Alors, je tiens à vous préciser tout de suite, hein, l'XP, je le ferai pas en vidéo, de toute façon, ça sera que de l'accélérer. Hein. Donc, ça sert un peu à rien. Hop là. Ah, voilà, on a un beau envol. Dark, on est là, chouchou. Ça doit être très fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol, tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devons bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Tu as ta propre chambre, Dark. Allons à l'intérieur. Ah mais... Pourquoi j'ai un problème avec mon casque? Voilà. Alors Dark, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout leur travail, nettoient après. C'est vraiment pratique. Dark, ta chambre est à l'étage, va voir qu'elle ressemble mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Waouh. Tu parles de... Tu parles d'un cadeau? L'horloge est arrêtée. Alors il est...
14h. Voilà. Peut-être un petit peu moins. Parfait. Est-ce là? Oui. Alors. Dark, tu as une nouvelle chambre, elle qui te plaît, excellent, tout est bien rangé. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Assure-toi que tes affaires trouvent bien sur ton bureau. Ah, une petite GameCube. C'est une Nintendo GameCube, une Game Boy Advance est branchée dessus et qui sert de manette. Normalement, dans le PC, si je me souviens bien. Bon, ça, c'est Battle Fire que je connais un petit peu quand même. Mais bon, ça a totalement changé, il paraît. Mais bon, voilà. Oh, Dark, viens vite voir. Maman, regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Journaliste, ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentie. Oh, c'est déjà terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Ah, tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin, tu pourrais lui dire bonjour et te présenter. Bon, ben voilà. Bon, au début, il y a beaucoup de blabla, c'est normal. Mais après, vous verrez, à mon avis, dans le deuxième épisode, un truc comme ça. Dans le deuxième épisode, il y aura déjà du combat. Donc voilà. Ah oui, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas en Nuzlocke, hein, donc je peux capturer n'importe quel Pokémon. Donc là, elle me dit d'aller voir leur fille à l'étage, donc qui est Flora normalement. Une Pokéball. Ah. Oula. Hein? Qui es-tu? Oh, tu es Dark, tu as donc déménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Dark. Bon. Pardon, papa, le prof, c'est cool. J'espérais que tu serais sympa, Dark, et qu'on pourrait devenir amis. C'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Darky. Oh non, j'oubliais. Je devais aller voir papa à tra aider. Je devais aller aider papa à travailler les Pokémon sauvages. On se retrouve plus tard, ok? Voilà. Tu peux pas me donner ta Pokéball? Non, prends. Je m'en fous, prends. Elle a une GameCube en orange. Normal. Alors, ensuite. Oh, je vous préviens, je suis pas le genre de personne qui parle genre de à tout le monde, hein. Généralement, j'aime bien faire l'histoire, c'est sympa. Donc voilà. Normalement, c'est comme dans beaucoup de. Sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici, laisse-moi t'expliquer, c'est. Plutôt qu'un laboratoire, le professeur n'est pas du genre à rester derrière un bureau. Il préfère sortir et faire ses expériences plutôt que de rester ici à lire les livres. Ok. Donc, excusez-moi si des fois j'utilise un petit peu les accélérés, mais pour vous éviter un petit peu trop de marche, hein. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut paraître un peu long. La petite fille, qu'est-ce qu'elle me veut? Salut. Il y a des Pokémon effrayés en dehors. Je peux entendre leurs cris d'ici. J'aimerais bien aller voir, mais je n'ai aucun Pokémon. Tu pourrais aller voir pour moi ce qui se passe? Qu'est-ce qui. Ah. Le fameux Zigzaton. Hé, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Alors attention. Comme je vous dis, les starters ont changé. Alors on a deux gros choix qui m'intéressent. Donc on a le choix entre Cracnoa, Drabi ou Mini Draco. Je tiens à vous le dire. Enfin je vous le dis avant puisque je m'en souviens un petit peu. Les Pokémon qui doivent évoluer par bonheur ou par beauté, je sais pas trop quoi, ils évoluent par les niveaux cette fois-ci. C'est simplifié. Les Pokémon ont sauf Evoli qui du coup a plusieurs formes. Mais les Pokémon qui doivent évoluer qu'une pierre, par exemple, je sais pas moi. Ouais non je sais pas. Donc les Pokémon qui doivent évoluer avec une pierre sauf Evoli évoluent aussi par les niveaux donc on n'a plus besoin de pierre. Et les starters sont changés, les villes et tout. Bon après je crois que je vous ai à peu près tout dit d'intéressant. Donc putain Dracolosse c'est mon Pokémon préféré mais j'ai jamais eu de Dratac. Cracnoa ne m'intéresse pas du tout. En plus Mini Draco passe vraiment de temps. C'est vrai que j'ai jamais eu de Drabi donc. Bon écoutez, hein. Je vais prendre un petit Drabi. Parce que j'en ai jamais eu. Dans les Pokémon que j'ai joué, j'en ai joué pas mal quand même. Je n'ai jamais eu de Drabi. Donc on va essayer Drabi, qui évolue en Dratac, hein, comme vous le savez.
Ah, il y a morsure dès le début, c'est sympa ça. Ça fait assez mal, voilà. Rougissement, bon bah voilà. En plus, c'est une femelle. Bon bah voilà, on commence bien. Les natures et tout aussi, j'y connais rien, mais bon. Enfin. Ah, il y a une baie au rang, putain. Sérieux? Les natures, je vais quand même aller checker ce qu'il a quand même pour voir sur Google, hein, puisque ça m'intéresse un petit peu. Ah, morsure, c'est vrai que ça. Comment ça s'appelle? Tu zigzagton et 17 points d'expérience. Comment sa nature s'appelle la nature? Attendez. Nature. Pokémon. Ouf! J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. C'est en anglais, j'ai la flemme de traduire. Nature et statistiques, Pokébip, ça doit être intéressant. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, c'est toi, Dark. Oh, mais c'est nul. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons au labo Pokémon, ok? Dark, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore des Pokémon, mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Oh, mais. Ah non, c'est bon. J'ai trouvé. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais que je vais. Je sais ce que je. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner un Pokémon que tu as essayé tout à l'heure. Dark reçoit Drabi. Si tu veux, tu peux lui donner un surnom. Alors, comment va-t-on l'appeler? Bah écoutez, on va l'appeler. On va l'appeler. Gondai. Voilà. Je sais pas pourquoi. Enfin, Gon pour dragon, donc la fin de dragon. Et Dai, en fait, je voulais marquer Bye, mais. S'en fout. Dai, c'est sympa aussi. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Dark, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora, qu'en penses-tu? Ok, demande-lui de t'apprendre un conseil sur la vie des dresseurs. Ok, donc alors, Pokémon, qu'est-ce qu'il est? Ah, il a un objet aussi. Tête de roc empêche dégâts de recul. Ok, timide. C'est ça? Ouais, ça doit être ça. Il est timide de nature. Timide, alors il y a la. Ça augmente. Ouais, la vitesse, ça baisse l'attaque. Pas super. Après, j'y connais rien, mais j'ai l'impression que c'est pas super. Voilà, il a quoi comme objet? Parce que du coup. Objet. Pierre soleil. Et ça fait quoi une pierre soleil? Excusez-moi, mais ça fait longtemps que je sais pas. Mais. Ah! Il est arrivé. Pierre soleil faire évoluer. Ah! C'est sympa ça. Je vais juste lui donner. Voilà. On va lui laisser. Hein. Voilà. Bon, allez, je dois aller voir Flora. Où est-elle? Elle doit être chez elle, à mon avis. Bon, comme je vous dis, j'accélère un petit peu. Hein. Pas vous. Ah, il y a des hautes herbes là? J'ai pas de Pokéball au pire. Elle est ici ou pas? Flora. Non, d'accord. Elle doit être là-haut, à mon avis. Route 201. 101, voilà. Non, je peux voler. Écoute, on va voir ce qu'on peut nous proposer dans ces hautes herbes déjà. Bon, bah, Zigzaton, hein, la base. Voilà. Gondai, go! Je sais pas du tout les niveaux où ils évoluent. Mais je crois que les dragons évoluent vachement tard. Voilà. Hop, encore morsure. Ok, c'est cool parce que du coup, j'espère qu'il sera rapide. Alors, je n'ai pas du tout idée des Pokémon que je pourrais prendre. Donc, on verra bien. Déjà, j'aimerais bien savoir où elle est, elle. What? Ah, mais c'est un ratata. Je comprenais pas.
Bon, on va accélérer un petit peu. Excusez-moi, mais voilà. 24 points d'expérience. Elle est sympa la musique. Ah, Fouinette. Ouais, bah en fait, c'est les Pokémon de base qui est ici. C'est cool parce que du coup, Morsure ça leur donne peur, du coup, ils peuvent pas attaquer, c'est sympa. Elle est ici? Pas déjà. Attendez. Je crois que j'avance un peu trop loin déjà. Voilà. Allez. Ah! Chaque fois. J'aimerais trouver Flora là en fait. C'est le seul truc qui m'intéresse pour avancer un petit peu. Mais je crois vraiment que je suis allé trop loin en fait. Ou alors, on peut être si loin. Non, c'est pas possible. J'ai rien vu. Hop, 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 hop. Allez, où Flora? What? C'est grand ici. Je pense pas qu'il y avait ça ici moi. Flora, mais où elle est? Ah, faudrait peut-être que j'aille voir sa maman un petit peu. On va éviter d'accélérer trop, parce qu'après, c'est pas vraiment... Oh, Flora doit être sur la route 103, ok. Ok, ok. Bon, par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant pas sans sprint, là. Donc, bon. Là, on est sur la route 101. Ok. Voilà, maintenant, je sais où elle est. Par contre, je suis désolé, mais les combats, au moins, je les accélère. Merde, pourquoi j'ai fait. Ah, oh, dommage. Non. Non. Ah. Oute, oute. Il a une couleur chelou, lui, un peu. Il est un peu jauni, j'ai l'impression. Mais bon, bref. 16 points d'expérience. Ah, niveau 6, c'est parfait. Ah oui, je vous ai pas dit, au fait, les épisodes tourneront pour entre 20 et 25 minutes. Hein. C'est un peu la durée normale. Pop. Voilà. Sur la route 103, donc c'était sur la route où j'étais au début. Hop. Putain, mais elle est loin. Elle nous attend loin. Ah, là, voilà. Un Rattata. Non, en fait, moi, c'est le skin du Rattata qui m'a fait bizarre, parce que pour moi, ils sont toujours 4 pattes. Là, il est debout, donc... Voilà. Alors, Flora. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 1 comprennent. Oh, salut Dark. Oh, je vois, mon père t'a fait un cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, n'a qu'à faire un petit combat. Je vais te montrer ce qu'est un dresseur. Alors, du coup, j'ai pris Drabi. Elle a dû prendre, Nidraco. Ou Cragnoa, mais il n'y a pas de logique. En fait, il n'y a pas de logique, puisque... Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc, il n'y a pas de logique du tout. Ah, il y a Arco du coup dans cette version. Arco est sympa, j'aime bien. De toute façon, j'aime ceux de la version Emerald, les starters, franchement, je les aime tous. Hein. C'est la seule version où j'aime tous les starters. Dans Platine. Ah, si, dans Platine aussi en fait. Après, dans Noir. C'est qui? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Noir. Je sais qu'il y a des feuilles dans. Je vois ceux de... Ah, de X et Y. Je me souviens plus... De ceux de... Bon, bah, c'est pas grave. Ceux de X et Y, ouais, c'était ceux, je pense, qui m'ont moins plu. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père gagne un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce combat. Ce Pokémon, il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Putain, je fais tout ça pour... J'ai pas d'argent, je présume. Je suis lent. Je fais pas ça. On va encore aller soigner son Pokémon. Hop, hop, bonjour, bonjour. Hop, merci, au revoir. Hop. C'est vite fait au moins. Dark, par là, vite au labo. Non, mais c'est bon, je sais où c'est. Même si je suis pas très bon en orientation, je sais où c'est. C'est un peu tout droit. Un peu. Tout droit. Oh, labo, labo, labo. Hop.
Hop là, voilà. Bonsoir. Alors, oh bonjour Dark, il paraît que tu as battu Flora, belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Dark, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à toi, pardon. Du coup voilà, on a notre Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, dans son Pokédex, Flora vient me le montrer. C'est super Dark, toi aussi, t'as un Pokédex, c'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ah, ça c'est cool. Du coup, à mon avis, au prochain épisode, on va déjà faire notre premier. Ah, ça va me saouler ça. Ah, commence pas. En fait, j'ai un problème avec. En fait, j'ai un problème sur cet ordi, c'est tout. C'est l'ordi, faut pas chercher. Je vais aller explorer la région. Si tu trouves des Pokémon mignons, j'attraperai des Pokéballs. Ok, et bah écoutez, on est bientôt à 22 minutes. Donc, et bah écoutez, on va se laisser ici. C'était un premier épisode beaucoup blabla, certes. Donc, je vous le rappelle, on a choisi notre petit Drabi qui est déjà. Enfin, notre petit Gondai qui est déjà niveau 6. Sympa, j'aime bien pour l'instant Emerald. En plus, c'est que la ROM pour l'instant ça m'intéresse, les Pokémon. En fait, c'était surtout pour les starters que j'ai vu ça. Et puis pour vous changer un peu d'Emerald, parce que Emerald, on m'a dit qu'il y avait des villes qui auraient changé et tout, donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. La suite va arriver normalement pas longtemps après, je l'espère, puisque comme je prends du plaisir à tourner cette série. Il y aura peut-être de temps en temps des personnes qui viendront pendant les épisodes, ce sera sympa. Genre The Gamist ou Grip, parce qu'ils s'y connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi en Pokémon, donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fera plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.